Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et nous allons parcourir le chemin de l'évangile toute cette semaine. Merci Mazam et merci Olivier. Et aujourd'hui, lundi 7, la question que j'ai posée, c'est qui est mon prochain? Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui !» Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Il pense que nous toute la fin entendre cette parabole qui dit entre guillemets du bon samaritain comme s'il n'a des mauvais samaritains. Mais la parabole du samaritain. Et samaritain, normalement, il n'entend pas avec bon juif. Mais même s'il prend les points, un monde pas comme nous, c'est un monde pas comme nous, ça c'est notre qualité. Mais nous voit qu'il agit par compassion, par amour, la personne que les blessés, la personne que les dans le besoin. Et Jésus peut-être invite à nous à voir le prochain, pas seulement dans le monde qui ressemble à nous, qui a la même religion que nous, qui a la même foi que nous, qui a le même, entre guillemets, sexualité que nous, qui a les mêmes violons d'ingres que nous, qui a les mêmes, la moitié du sport que nous. Mais non, en fin de compte, c'est pas les gens, et c'est pas seulement les gens qui ressemblent à nous, ou bien les gens que nous aiment, mais le prochain, c'est dans tout être humain, même s'il nous considère comme différents, comme lointains. Donc, la charité, la pointe frontière. Et ça, tu vois, le samaritain n'a pas fait trop de grands discours. Allez. Il a agi. Il a agi avec de l'huile. Il a agi avec le vin. Il a agi avec son geste pour donner les pièces d'argent. Le BHS, il a mettre le... Il a agi. L'amour chrétien, là, c'est un amour dans l'action. C'est pas un amour assis dans le bord et dans sur le banc, au fond de l'église pour m'agonier. Regarde, ça n'est pas bon. Et ça faudrait faire comme ça. Ou bien, t'es à cause, il ne veut pas un choral pour le Christ roi. Il fait joli, 4 voix. En fin de compte, souvenez-moi tout amour, souvenez-moi toute dévotion. Mais bon, vous veut voir, mais quand ça met à l'action, quand ça dit la répétition, quand ça revient. La charité, elle est comme ça, l'amour, elle est comme ça. Amour sans frontières, amour dans l'action.
Et nous peut dire aussi que Jésus invite à nous à dépasser nos bons préjugés. Parce qu'il a dit, oh, faut qu'on te parle, il faut qu'on te parle, c'est un samaritain ça. Et souvent, il faut aussi, dans ce côté-là, la loi. La loi, salit pas de doigts. Les gens disent ça, c'est la loi, ne te salis pas les doigts, laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. La loi ne touche pas parce que peut-être c'est un cadavre et il sera impur. Mais à notre travers tout ça, à notre travers ces préjugés-là, à notre travers tous les fondements, les bétonnages que l'on y empêche à nous d'aimer, y empêche à nous d'agir, empêche à nous d'être nous-mêmes. Des fois, on connaît la loi là. Dans cet exemple-là, le prêtre, le lévite, c'est ça qui il connaît la loi sur le bout des doigts. C'est pour ça qu'on n'a pas agi. Mais est-ce qu'ils allaient être humains dans notre geste? Voilà. En fin de compte, l'amour, c'est un amour, il doit être universel. C'est un amour, il doit être humain avant d'être un homme de loi là. L'homme, il est l'homme, il est un homme de cœur, un homme de foi, un homme de charité. Et Saint Luc, il rappelle à nous que pour entrer dans la vie éternelle, il faut nous passer aussi par l'amour de notre prochain. Un amour ne rate rien en échange, ne rate rien en retour, un amour pur quoi. Ben, et Jésus, il appelle à nous dans ce passage-là, être des bons samaritains. Dans notre vie quotidienne, ben, quand nous faisons attention à cet issue autour de nous, et quand nous agissons avec miséricorde, quand nous agissons avec miséricorde, surtout en cassant les lois qui empêchent à nous d'être en harmonie avec l'autre. On retrouve ça demain. John.